Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Voici le programme qui vous est proposé sur la première chaîne ce soir. Dans un instant, vous sera présenté Télé Soir, puis à 20h30, vous verrez ce soir sur la première chaîne le premier épisode d'un nouveau feuilleton, Jean de la Tour Miracle, qui vous sera présenté tous les soirs à la même heure pendant la période des fêtes. Il s'agit d'un feuilleton de Michel de Ré, adapté du roman du comte de Gobineau, Le prisonnier chanceux, réalisé par Jean-Paul Carrère, avec dans les rôles principaux Patrick Devers, Ludmila Michael, Anne Doat, Robert Murzeau, Robert Vattier, Alexandre Rignot, Jacques Balutin et Jean Paredes. Ensuite, à 20h50, vous pourrez voir sur la première chaîne ce soir « La bouquetière des innocents », un mélodrame d'Anicet Bourgeois et Ferdinand Duguet, adapté et réalisé par Roger Iglesias avec Rosie Vart, Francis Claude, Claude Titre et Étienne Bierry dans les rôles principaux. À 22h40, toujours sur la première chaîne, Pierre Tchernia vous invitera à une grande émission de variété dont il est l'auteur et le réalisateur, The Cocorico. Et nos émissions s'achèveront sur la première chaîne avec Télé Nuit, qui vous sera présentée à 23h30. Mais Denise, il me semble que vous venez de parler du programme de la première chaîne. Mais oui, mais vous savez bien, nous avions décidé de changer de chaîne pour les fêtes de Noël et du jour de l'an, oui, ce qui permettra vrai. Ainsi aux téléspectateurs qui vous aiment bien de vous voir en couleur. Oh, quelle délicate attention. Vous savez aussi que nous nous retrouverons tous les soirs pendant tous ces jours de fête pour parler des programmes. Oui, je le sais, j'en suis ravie. Alors, quel est le programme de la seconde chaîne ce soir, Jacqueline? Eh bien, sur la chaîne que vous abandonnez, nous allons être tout de suite dans l'ambiance de Noël en assistant à la préparation d'un mystère de Noël avec une pièce d'André Aubé qui se passe en Angleterre au XVe siècle, Le souffle de minuit, adapté par Michel Persane, mise en scène par Alain Boudet. C'est Pierre Mondy qui tiendra le rôle principal de cette pièce. Du théâtre, nous passerons au cinéma à 21h40 avec un film qui marquera le début du festival Gérard Philippe qui durera jusqu'au 31 décembre. Nous vous présenterons ce soir la première partie de La Chartreuse de Parme de Christian Jacques. Vous verrez la seconde partie demain à 21h10. Christian Jacques sera entouré de Maria Cazares et de René Faure. Ce film terminera la soirée, il sera à peu près 11h. Voilà, eh bien je crois que nous avons parlé du programme de la première et de la deuxième la chaîne. Nous vous souhaitons maintenant une très agréable soirée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure.